Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avocat juge la Cour cassation Wendell Coctello continue à dénoncer caractère illégal mandat arrestation commissaire gouvernement à Port-au-Prince, Met Bedford Claude, lagué derrière client Yoa. Dans une conférence pour la presse, Liba et dans le local RNDDH là, Met Edwin Koch, frère juge là, précisé, mandat ça a violé l'article 24 constitution. Li dénoncé action la police dans le département Latibonite qui fouillait Kaili lundi à dans la commune Mamlade. Met Marc-Antoine Maisonneuve, bon côté par l'annoncé, yo même, avocat Met Wendell Coctello yo, a saisi tribunal référé pour yo casser mandat. Yon l'autre pas, li mandé la justice pour le relais ancien premier ministre de facto Claude Joseph, sous base révélation journal colombien Noticias Caracol te fait contre lui dans la mort Jovenel Moïse là. Met Edwin Koch ak Met Marc-Antoine Maisonneuve nan micro Hervé Noël ak Reginald Jean-Louis. Seul cas un commissaire gouvernement capable émettre mandat d'amnesty en cas de flagrant délit. Le président Jovenel a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet. Qui t'aime dit publiquement là que moi-même comme citoyen, moi condamné avec fermeté à barbarie. Et c'est pour une enquête sérieuse qui mène, pour retrouver autant intellectuel, autant matériel et tout le monde qui participait d'une façon ou d'une autre dans un crime crapuleux ça. Maintenant, qui ça la loi dit? Léon Bagay comme ça fait, commissaire gouvernement est gagné pour obligation, lui-même. Qui pourra aller sous les lieux immédiatement. Le juge de Pectalé, maintenant, entre 7 juillet et 23 juillet, date que vous mettez mandat d'amener contre juge Wendell Koch, c'est-à-dire ça fait plus de 15 jours. Nous avons un commissaire a fait code pénal la parler, il fait une interprétation vraiment erronée de sa flagrance continue. Commissaire a prétendu une flagrance continue. Donc, mandat ça. Qui est mettre contre magistrat Wendell Koch là, c'est un mandat qui violerait systématiquement l'article 24 constitution pays qui parlait de liberté individuelle et toute l'autre disposition dans le code de section criminelle là qui m'a capacité à une seule autorité dans la justice là pour émettre mandat d'amener, c'est seulement juge de section. Depuis pas gain flagrant de li mandat pas valide, c'est ça que fait conseil de défense magistrat Wendell Koch pour prendre toutes les dispositions que la loi mettait à la disposition nous pour que nous capables attaquer mandat ça en annulation. Et moi pensais que ça qui a passé là c'est un bagaille qui grave en pile. Sénateur Moïse Jean-Charles Gombagay dit matin m'd'avle reprendre, il dit pas comprendre. Il dit que mercenaire dit t'a travail pour pasteur Emmanuel Sanon. Maintenant, si mercenaire a travaillé pour pasteur Emmanuel Sanon, même mercenaire n'a pas travaillé pour juge Wendell Koch encore, ça veut dire qu'il y a deux mouns à la fois pouvoir. Donc, ouais, toute qualité de diversion qu'a fait. Et dernier bagage que je voulais dénoncer publiquement, moi, je suis avocat. En tant que tel, loi qui régit profession avocat, c'est que domicile, moi, est inviolable. Voici que hier après-midi, la police, en gros, naïve, commandant département, et la Tibonite non, envahit résidence privée Mamlade. Côté aussi fouillé Kaïbre Mamlade en tant qu'avocat. C'est un bagage qui est assez grave. Tout à l'heure, quand ça m'a écrit directeur général police là pour me dénoncer ça. Et maintenant, prendre toutes mes illégales pour me poursuivre tout le monde qui était entré là Kaïbre Mamlade. Parce qu'en tant qu'avocat à domicile, moi, inviolable. La loi donne des garanties en tant qu'avocat pour me défendre un client. Je me défends Wendell Koch, magistrat Wendell en tant que client, mais moi son avocat que moi dissocié de lui-même, donc moi dénoncer ça et je prends toutes mesures légales pour qu'on soit capable de faire poursuite judiciaire contre les gens qui, hier après-midi, ont fait irruption dans le domicile nous Mamelade. Nous-mêmes, qui ça nous fait en tant qu'avocat, nous pas trop forts, nous ne sommes pas trop trapus en politique. Nous-mêmes, c'est quelques bagages en droit que nous connaissons. Son mandat que nous allons rapidement attaquer par devant l'instance compétente, qui est la juridiction des référés. Même de, nous allons enterrer, nous allons annuler, ce n'est pas bon. Et je pense que le doyen n'a pas pris le temps pour annuler les bagages. Le doyen du tribunal de première instance qui est compétent,
Je pense qu'il n'y a pas de temps pour l'annuler. Mais comprenez bien, c'est un homme fondamental qui était impliqué dans l'assassiné Jovenel Moïse. Bon, pour qui ça fait que même un petit mandat d'invitation, pas jamais joindre Claude Joseph. Martine dit tout, oui. Le bâton va jouer Claude Joseph. Et puis c'est Madame Wendel Coctello, magistrat respectueuse, respectable, honorable, qui par exemple l'a fait moun, parce que Jovenel Terrail, il voulait la poursuivre. Nous-mêmes, nous disons clairement que ça va passer. Nous allons aller devant la justice, nous allons faire ça pour nous faire. Et nous avons fini net pour nous solliciter le support de tous les étudiants et étudiantes de madame de la magistrate Wendel Coctello. Tout le monde que madame magistrate Wendel Coctello t'a accompagné, t'a encadré dans le cadre de la rédaction de leur mémoire pour venir protocoler, pour venir bailler support yo pour nous cas et contrecarrer enfin persécution politique ça. Maître Arnel Rémy dans intervention pâle mandé président la Cour des comptes à contentieux administratif là au Gaville Boisguené choisi un autre collège juge pour tenter dossier. Maître Rémy tout lancé appel by avocat de GIO pour dire li espérer yo va pral réquiser l'autre collège juge pendant profiter mandé la Cour des comptes rapporter tout arrêté illégal Jovenel Moïse te prend yo. Maître Lorenel Louis dénonce lui-même effraction vol à main armée la police mettait dans la vie recherche contre client long juge Wendel Coctello. Les mandés pour la justice tendaient Jovenel Moïse et Martine Moïse sous éléments information yo bay nan discours yo sans compter ancien magistrat Jean-Gabriel Fortuné. Yon après l'autre, met Arnel Rémy et Lorenel Louis. Nous-mêmes comme avocats, nous lançons ce message au président Boisguené, puisque peut-être par éthique et par morale, les avocats vont se retirer de ce dossier. Parce que le fait que l'État haïtien dit qu'il y a illimité capital, donc peut-être que nous n'avons pas senti à l'aise vraiment pour continuer le dossier ça. Nous sommes sûrs et certains que dans les heures qui vont venir, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif va se débrouiller pour désigner un autre collège. Et là, le président finit de choisir l'autre collège. Non. Avocat, l'État haïtien n'est pas bien récusé encore. Il n'existe pas d'élément légal, pas de texte de loi non, qui appuie. L'accusation des jeunes, ça pas rien. Non. Et là, je pense que, avec la responsabilité que le juge va l'assumer, dossier, Madame Pock va le traiter, tout l'autre dossier va le traiter, notamment recours que nous avons fait contre arrêter Jovenel Moïse, t'es prêt pour CEP. Il n'y a pas oublié que Jovenel Moïse, le 18 septembre 2020, a pris un arrêté donnant des pouvoirs d'organiser un référendum à CEP. Mes amis, regardez, en l'article 90, 91, 92, maman loi paysan, il n'a jamais été question de donner une attribution de faire un référendum à un CEP. Donc, non, sans ça, nous pensons que arrêter arbitraire ça, les coups l'ont siéger correctement, ils prennent vini pour le rapporter. À la vérité, tout avocat sort prend la parole là, yo, et bien ces avocats viennent de mettre l'emphase, l'accent sur le délai de flagrance. À la vérité, délai ça pas là encore. Ce délai n'est plus. Que doit faire maintenant le commissaire du gouvernement? Pas que l'autre bagaille qui a fait tourner. Il faut que ce commissaire du gouvernement, par le biais de ce qu'on appelle le réquisitoire déformé, déféré le dossier par devant le cabinet d'instruction, c'est le juge instructeur. Eh bien, dans un premier temps, premier élément information aussi important pour l'autre monde dans le cadre d'enquête, li, qui pourrait l'autre monde dans le cadre d'enquête, li, puisque ou pas qu'à parler de flagrance encore. Nous-mêmes, en résumé, nous croyons que ce n'est pas intéressant pour la police nationale. Eh bien, mettez dans la vie de recherche là, que magistrat, eh bien, vous n'avez infraction reproché, vous savez, vous l'avez amé. Deuxième bagaille nous dit, si ça qu'a fait là, ce n'est pas persécution liée
nous pouvons petit président de Mopal pour nous rendre par rapport à 10 pour nous faire. Nous pouvons madame président de Mopal pour nous dire pas devant la justice par rapport avec 10 pour nous faire. Nous pouvons citoyen sud là, ancien magistre, ancien sénateur qui parle de Paris, il a aussi son mot à dire pas devant la justice. Et pour nous finir, nous dit que dossier ça, pas de l'autre bagage pour le commissaire du gouvernement fait, c'est pas le bien de son réquisitoire d'informer, déférer le dossier définitivement, eh bien, devant une juridiction d'instruction, et que pour tout reste élément, tout reste enquête là, il est important. Nous-mêmes, nous pas insensibles par rapport avec l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Au contraire, nous condamnons ça énergiquement, mais en même temps, tout, nous pas voulons pour quitter Bouik là, et puis si c'est ça, pas y a bap. Merci en plus. Très bien. Maître Arnel Rémy déclaré yon en discussion avec responsable direction administration pénitentiaire yon DAP pour yon traiter dossier Jenica Philippe Selmoun yon te arrêté dans dossier Petit Bois 7 février passé à qui toujours en prison à cause yon problème erré nan nol. Avocat fait qu'on ait procédé judiciaire déjà en main pour yon recommencer audience là pour la cour d'appel Port-au-Prince rend yon nouveau arrêt pour libérer Jenica Philippe. Explication M. Arnel Rémy dans micro Hervé Noël avec Réginald Jean-Louis. Sous tout compte Twitter, mes Maisonneuve, nous jouons un pile message de Jenifka Ija Philippe qui vient de nous depuis prison. Laissez-moi mettre une mise au point sur ce dossier. Les avocats qui ont défendu les personnes arrêtées le 7 février, mais au là. Et m'appelons ce message ça par Jenifka Ija Philippe. Jenifka Ija Philippe. Nous-mêmes comme avocats, nous passons tout le temps nous pour libérer 17 personnes. Ce n'est pas seul ou même qui ne peut pas libérer. Ma pensée, mais ça c'est avant. On a lu ta requête. On a lu ta lettre. Et nous-mêmes avec mes honneurs, nous touchons en pile. Parce que nous connaissons que les conditions de détention sont infrahumaines. Jenifka, on te promet, à partir de cette déclaration, que les 10 avocats vont remuer ciel et terre. Afin de permettre que tu puisses recouvrer ta liberté. Nous connaissons que tu n'es pas bon. Courage. Et sous peu, tu pourras retrouver les caresses de ta famille. Plusieurs dizaines de monde qui travaillent sous contrat avec employé ministère affaires sociales t'es campé sous la cour pour y te battre Charles Barry des premiers ministres de facto avec toute équipe qui était avec là. Surtout directeur général là, docteur Rudy Rivo, il dit qu'il y a 5 ans depuis le pas Jean mettait point de pied dans le ministère affaires sociales. Protestataire t'a demandé pour y toucher plusieurs mois de travail, il fait qu'on ait l'état de Rio. Ils ont l'idée sous Jean situation entier avec déclaration membre personnel Masla, il y a un ministère qui semblait un côté abandonné. Pour 23 mois, 4 débits, directeur général l'a fait 50 euros, pas jamais entré. Ce jour, je dois prendre avec ça le premier ministre Ariel et laisse à la part d'une masque Mouna Gogalil. Nous demandons 23 mois, 4 débits, nous, pour le banoun. Indication pour contractuel toucher, lettre nomination nous besoin. Tout autant nous avons la nomination avec contractuel pour toucher la base, nous avons 3 ans de vie toucher là. Parce que nous avons ça nous manger, ça nous voit comment Bécaille, comment madame petite fonctionne, comment l'école fonctionne. Nous avons 23 mois, 4, nous n'avons pas nous. Nous même ici à là, et nous avons 3 ans, pas jamais venir dans l'affaire sociale. Derico, il va jamais venir dans le ministère, chaque ministre venu au ville là. Mais l'essentiel là, nous besoin qu'on est, et si nous-mêmes nous ne fonctionnons pas, petit nous ne pas à l'école, nous ne pas qu'à jusqu'à présent. C'est ça la revendication. 23 mois, 4, nous touché 7 000 gouttes, 8 000 gouttes, nous ne pas jamais capable de toucher, nous ne pas jamais capable de prix salaire. Vous ne pas qu'à tirer ici, nous ne pas jamais faire rien pour nous. Nous ne pas jamais faire rien pour nous. Vous ne parlez pas la PM pour nous connaître nous-mêmes, si tout l'État, ce n'est pas tout l'État. Parce que la police des 4, condition de l'île des 4, ville des 4, tout ministère des 4, c'est la face sociale qui paye des 4. Et il faut aller, 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 il faut aller.
social. Ministère ça a un rôle particulier, il a un rôle normatif, il dit qui j'en baille des deux faits, mais aussi il a un rôle pour rencontrer même monde qui est plus pauvre. Nous initiés là pour matin, pour nous dire, faut que nous plus attentifs à monde qui est plus démunis. Faut que les gens qui désœuvrent, les gens qui n'ont pas rien à faire, ils viennent de moins en moins. Et c'est peut-être ça, malgré le gouvernement, sa priorité par les faits élections, nous pensons que pour que nous allions vers un climat d'élection, il faut que au minimum nous fassions le peuple. Donc nous venons ici là dans le ministère ça, pour nous dire, nous allons travailler, nous allons tous les manches, nous allons être présents, nous allons faire service. Moun ki pi pov yo, nou pa ka pran sak nan bouchou en plus. Gouvernement sa pral fè tout sa kapab pou konbat la korupsyon. Pou ke le nou bay moun bagay, ke bagay lan rive a ter, ke pa rete an lèr. Moun gen an pil responsabilite, se yo si, an patikulye mse premier ministre, an moun ki travay avè mwen pendant des anè, e ke nous avons fait confiance que nous sommes capables de présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous, c'est à mon nom pas. Et tout ça l'a fait autour, c'est à mon nom pas moi, et me fait totalement confiance. Maintenant, nous avons un bonheur pour installer Paul Henri Voltaire. C'est un homme de conscience, c'est un homme d'engagement, et un monde qui me fait totalement confiance. Moi, je vous bienvenue dans le ministère, puisque vous êtes chef cabinet déjà, dans le ministère ça. Chef cabinet Paul Henri Voltaire promet pour le faire toute salle capable pour le remettre ministère affaires sociales et travail sous deux pieds. Les souligner, c'est pas premier fois la offrir service li dans l'administration publique là. Paul Henri Voltaire. Après avoir prêté mes services pendant plus de 30 ans dans l'administration publique, le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des Affaires sociales et du travail comme directeur de cabinet. Excellence, je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le parapluie de la Constitution, de la loi régissant l'administration centrale de l'État et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du travail. Aussi, consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable, et je le ferai sans aucun esprit partisan. Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs, la tâche me sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative. C'est un défi que j'accepte volontiers. Dysfonctionnel depuis plus de deux ans, le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure. Telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous atteler. Il s'avère important, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre haute attention
sur le fait que le ministère, durant ces derniers mois, se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers en raison de nombreux actes de brigandage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, ce qui nécessite de profonds et sérieux aménagements au triple point de vue institutionnel, structurel et infrastructurel. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère, je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver les équations nécessaires de manière à remettre le ministère sur pied. Nous avons tous l'obligation de réussir. La solution, on la trouvera ensemble ici, mais pas dans les routes. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Mettons-nous au travail. Monsieur le directeur général, content de vous retrouver à nouveau sur mon parcours administratif. Je vais travailler avec vous, tout près de vous, plus près de vous, dans l'objectif d'étudier ensemble les problèmes, de déterminer ensemble les priorités et de trouver ensemble des actions à entreprendre à court et à moyen terme. Car il paraît anormal, Monsieur le DG, que les portes d'une institution à vocation sociale soient fermées tout ces temps-là. Ensemble, formons un faisceau inexpugnable pour que l'ordre et la discipline l'emportent sur tout le reste. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, attendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.